Karibu kwenye matangazo ya MTV tukikutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lakemea kutojiondosha kwa waasi wa M23 eneo ambayo wadhibiti, hata kama wamekubali kuondoka maeneo haya na kuyaacha chini ya uongozi wa majeshi kutoka East Africa Community. Kanali Jike Kaiko, msemaji Operation Sokola ya pili Kivu Kaskazini, amesema haya kwa kuonosha jumuiya ya kimataifa kuwa waasi wa M23 bado wanaendelea kushambulia ngome za majeshi ya taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata kama wamekubali kusitisha vita. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que le retrait de certaines localités annoncées avec pompe par la coalition M23-RDF ne constitue en réalité qu'une diversion. En effet, pendant que la communauté internationale, les organisations régionales et sous-régionales attendent de l'armée rwandaise qui opère en République démocratique du Congo sous couvert du M23, le respect du cessez-le-feu et le retrait de ses supplétifs jusqu'au Mont Sabino, comme le prévoient les différents accords des chefs d'État, le M23-RDF s'illustre par des semblants de retrait. Ici est de noter que la présence et le renforcement de leurs effectifs en hommes et matériels demeurent signalés dans plusieurs localités des territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, notamment à Kishishe, Bambu, Karenga et Kibumba. Plus cyniques, tels que ressortis dans leur propre communiqué du 22 mars 2023, ils refusent de se retirer de Kichanga en les subordonnant à la négociation préalable avec le gouvernement. Par ailleurs, ces derniers s'illustrent par des communications préalablement rédigées avant chacun de leurs crimes et forfaits, attribuant aux forces armées de la République démocratique du Congo les massacres des populations dont ils sont auteurs. Il s'agit d'un modus operandi pour continuer à distraire la communauté tant nationale qu'internationale. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo se disent prêtes à ne pas laisser perdurer cet état de choses dont la population congolaise est victime depuis plusieurs décennies. Fête à Goma, le 24 mars 2023. Germain Sani Kiawere, MTV Beni.